On remonte sur la côte panaméenne pour aller faire nos formalités d'entrée parce que ici au San Blas il n'y a plus du tout d'endroit où on peut faire les formalités. Ça a fermé il y a quelques années et depuis ça n'a pas rouvert. Ça nous oblige à monter et là on se dirige sur Linton Bay et on a à peu près 44 000 si je ne me trompe pas. Pour l'instant, ça avance plutôt bien, donc on est à 120 degrés du vent avec les voiles et on avance à peu près 6 nœuds et demi et la mer n'est pas encore trop formée, 2 mètres. Voilà, ça doit se tasser, on y va maintenant parce que ça fait déjà 2 semaines qu'on a quitté la Colombie et en plus après il y a une panne de vent donc il faut qu'on remonte et on a un bateau à voile, on n'a pas un bateau à moteur. Donc on n'aura pas passé énormément de temps au San Blas, mais on a privilégié de voir les kunas et l'eau turquoise, on en a déjà vu pas mal aux Grenadines et on en reverra plus tard certainement dans notre voyage. Et on se demandait si on allait revenir sur les San Blas, a priori pas, parce que c'est un peu compliqué pour revenir. Maintenant que les alizés sont bien établis, il faut on est au près, serré. 45 000. Et s'il n'y a pas de panne de vent, ça nous fait avoir une bonne mer. C'est ce qu'on discutait avec Pat, on n'aime pas trop revenir en arrière en fin de compte. On aime bien aller de l'avant, ce qui est plutôt positif. Je crois qu'on serait plutôt partant à regarder un petit peu la côte du Panama. Et il y a mon papa qui devrait arriver, donc c'est aussi pour ça qu'on remonte au Panama. À Linton Bay plus précisément et nous allons faire donc nos formalités. On est dans le port, la marina, et là on cherche l'endroit où faire nos formalités en espérant que ce soit ouvert. On retourne en arrière, on doit avoir apparemment un papier tamponné de la marina, même si on est à l'ancre, par rapport au Covid. On aurait bien eu les vaccins et je sais pas quoi d'autre. Donc on va voir ça à la Oficina del Marina. On sort de la Oficina de la Marina. Et on a donc notre papier, en fait, il a pris passeport, certification de vaccination. Surtout ça. Et maintenant, donc, ils ont donné l'accord, il a reçu la tamponnée, et là, on part à l'immigration. Ouais. Pas de chance, on a eu le papier hyper vite à la marina, mais là, customs et immigration sont fermés. Donc, on reviendra demain matin. J'ai eu un pélican en vol. C'est trop joli. Mais maintenant, il pleut. Regardez. Enfin, j'ai un contre-soleil. Ça y est, c'est bon. On est rentré au Panama. On a nos passeports tamponnés. On est en règle. Within the smoke, our dreams reveal. We're not a part of. Step like the song in my head. It makes
toujours à Linton Bay et on a pu faire nos petits apéros en visitant le tout petit village. Et il y avait quand même un supermarché là, juste pas loin du ponton à Lindy, donc pratique. Et voilà, il y a des fruits et légumes, il y avait beaucoup de choses. Voilà, eh ben, il y a le bruit des oiseaux ici. Hein. C'est tout petit, très simple, très sobre. Les gens sont agréables, ils disent tous bonjour, voilà. On se sent pas du tout en insécurité. On avait pu lire des commentaires où c'était pas forcément très 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 sûr, mais enfin, franchement, il n'y a aucun souci. Et cet après-midi, on s'en va à Portobello. Il paraît que c'est une super ville où il y a plein de choses à voir. Donc on vous montre ça, bien sûr, dès qu'on y sera. Nous sommes en route pour Portobello. Donc il y a à peu près 10 000 nautiques pour y aller. Un peu compliqué hier, il a plu toute la journée pratiquement et ce matin aussi, donc on a trouvé un petit créneau pour l'instant. Ça a l'air d'aller, on a même du soleil, donc on croise les doigts pour pas se faire tremper. Et donc on arrive dans une nouvelle destination du Panama. Hey, I've been dreaming about you. Nous sommes à Portobello. Ici, c'est une baie donc énorme et il y a plein de choses à voir. Donc, on vous expliquera pourquoi, mais il y a trois forts. Donc, il y a un fort sur le nord, juste derrière moi, et deux autres forts qui sont au niveau de la ville de Portobello. Donc ce fort qui est derrière moi, vous pouvez aller, il est sur deux étages, vous pouvez aller en annexe jusqu'à la côte. Et après vous pouvez aussi monter tout en haut de la colline où il y a encore une partie du fort. Très très, apparemment très très beau. Et il y a aussi, donc l'eau n'est pas du tout claire ici, c'est pas forcément un endroit pour qui se prête à la baignade. Et en fait au bout là-bas, vous avez trois rivières qui arrivent et que l'on peut remonter en annexe, en kayak, en paddle. Et apparemment, il y a donc beaucoup d'oiseaux, il peut y avoir des crocodiles. Donc voilà les choses à faire. Il y a aussi la ville de Portobello en elle-même, avec son église, et apparemment, il y aurait un Christ noir ici. Voilà, ben, je vous montre en image ce que ça donne. You make me feel, 'cause I can't concentrate anytime you're beside. I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me, I can barely breathe. It's what you do. Nous voici donc à Portobello, dans une baie qui est énorme, qui a été découverte dans les années 1500 par Christophe Colomb. Et ensuite, c'était vraiment une place importante, car en fait, tout l'or du Pérou était ramené ici. Et c'est pour ça en fait qu'il y a des forts. Donc là, on est sur l'un des forts de cette baie. Et donc, voilà, on peut voir encore les canons, on peut voir... les batteries du fort, voilà, il y a plein de choses à voir et les enfants s'en donnent à cœur joie. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de végétation
Ici, il a l'air de pleuvoir pas mal. Donc déjà hier, hein, je vous disais à l'autre mouillage qu'on avait de la pluie tout le temps, tout le temps. Et ça continue. Donc là, on a trouvé un petit moment où c'est une petite accalmie et on essaye de pouvoir visiter les environs. Ça devient très humide à l'intérieur de Niue et c'est pas forcément agréable. Mais la fraîcheur fait du bien. Voilà dans le village de Portobello et nous allons voir les deux autres forts. Dans le fort Santiago, donc c'est le deuxième fort qu'on peut trouver ici dans la baie de Portobello. Et il faut savoir qu'on peut encore trouver 40 canons qui étaient répartis sur les trois forts. Les infos, on a posé notre annexe au restaurant La Casa Vela, qui est un petit dinghy, et vous payez juste $1 pour qu'il la garde, ou alors $2 toute la journée. Et vous pouvez trouver, donc il y a le fort Santiago, et juste quasiment en face, il y a un chemin qui monte et qui vous permet d'avoir le point de vue où on était juste avant. Juste pour vous dire, ça s'arrête, c'est parce que pour que je parle en fait. Il y a de la musique à fond dans un bar qui s'appelle Relax. Et en fait, on visite le troisième fort, on ne sait pas encore le nom, on vous le mettra en dessous. Et on a la musique en même temps. Ah, c'est parti. Ça modifie un petit peu notre perception du lieu. Et là, elle est plus cool, celle-là. Plus tranquille. Thank you.
Donc nous nous trouvons dans le petit village de Portobello que l'on visite à pied là. Et c'est très très coloré, très sympathique. Ça nous fait un petit peu rappeler à Tobago, de Trinidad, où les maisons sont très colorées et, excusez-moi, ça bouge un peu. Et assez basse. Et assez basse, ouais. Un peu style américanisé. Donc il faut dire qu'on remonte, gentiment le continent, donc on s'y rapproche. L'Amérique centrale. Donc voilà. C'est super sympa de se promener dans ce petit village avec tout plein de couleurs. Parti, on quitte Portobello, une jolie escale qu'on a beaucoup aimée avec ses forts, c'est très très beau, sa ville qui est très colorée, qui nous fait penser un petit peu donc à Tobago avec ses maisons assez basses, un petit peu américanisées. Donc on a passé du bon temps ici, on a beaucoup aimé aussi remonter les rivières en annexe. Et maintenant, donc, il faut qu'on aille à Shelter Bay, donc on va pas à la marina, on va au mouillage juste à côté. Et on va aller faire nos papiers pour le canal de Panama. Donc c'est une escale qui, apparemment, qui a pas forcément d'intérêt. C'est à l'entrée en fait du canal, donc il va y avoir beaucoup de cargo. J'en connais un à bord qui va être très content. Donc on y va essentiellement pour faire nos papiers, puis après on repartira dans un autre endroit pour fêter Noël. Salut les voyageurs. Hello. On vous souhaite un joyeux Noël, même si on vous l'avait déjà souhaité dans une vidéo. Mais là, c'est le jour J. Et on voulait juste déjà vous souhaiter un joyeux Noël et puis vous expliquer un petit peu que Noël pour nous c'est jamais un peu c'est jamais prévu. On fait à l'endroit où on se trouve, on planifie pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que tous les Noëls qu'on a fait en voilier, donc déjà il y a 10 ans, on se trouve avec des Québécois. Donc c'est assez joli. Donc faut croire que quand on est en voyage en voilier, on fait Noël avec des Québécois. Donc cette année, c'est avec Sanouk, bateau copain, avec les deux enfants et les parents, et c'est super cool. Préparer plein de petites choses et on va sur leur bateau, donc c'est cool. Après, voilà, Noël, c'est pas pareil que chez nous. Il n'y a pas le froid, il y a plutôt la chaleur, pas de neige, plutôt le sable. Et il nous manque surtout toute notre famille. Alors la première année, ça allait. Deuxième année, ça, c'est un peu plus dur d'être loin de nos proches. Et alors on pallie un peu ça en vidéo ou en message, mais voilà, c'est on a fait le choix de partir et il n'y a pas que du positif, donc ça c'est un moment un peu plus dur pour nous, mais ainsi va la vie. Donc, allez, on leur dit au revoir. Au revoir les voyageurs. Et puis à bientôt pour la nouvelle année, pour la suite. Ouais. Allez, bye bye. Bye bye les voyageurs. Bye. Nous voilà à Shelter Bay Marina où on a posé une nuit pour deux nuits. Pourquoi la marina? Parce qu'en fait, en fin de compte, on s'était mis déjà avant Noël au niveau de l'ancrage, au mouillage, en fait, juste à l'extérieur.
Et en fait, quand on vient à la marina, il faut poser son annexe, c'est 12 $. Et on a besoin, en fait, il n'y a pas d'autre endroit pour poser l'annexe. On a besoin aussi d'aller faire un avitaillement, c'est compliqué. Et la marina a un petit bus, donc tu payes 25 $ aussi. Et en fait, plusieurs frais accumulés, ça fait que ben, tu arrives vite au prix de la marina, de la place de marina. Donc on a fait ce choix et en plus, ben, y a mon papa qui nous rejoint. Donc ça sera plus pratique pour transférer les bagages, pour aussi tout l'avitaillement, parce qu'en fait, dès que le vent se lève au niveau du mouillage, ben, ça lève tout de suite de la mer. Donc pas très confortable, puis ben après tout est trempé. Donc on a fait ce choix pour 2 nuits, et puis après on sortira de la marina et on rentrera peut-être pour le passage du canal de Panama, parce qu'en fin de compte, quand tu dois aller chercher tes handliners, donc c'est les personnes qui t'aident, quand tu dois chercher tes parbatages, tes amarres et tout ça, tu dois payer 25 $ si tu viens en annexe. Donc en fait, tous des frais qui qui te dit va à la marina. Donc c'est ce qu'on fait. Nous sommes pas loin de Shelter Bay, un peu plus à l'ouest. Et nous allons remonter une rivière. Donc, je vous montre un petit peu sur la carte, c'est assez serré, mais on a eu des retours comme ça se faisait bien. Je sais pas si vous voyez bien, toujours notre petit bateau là. Donc il y a une caille là et beaucoup de cailles là. Donc on va passer entre et puis après on sera protégé dans la rivière. On continue notre périple au Panama. Et oui, nous sommes dans la rivière Rio Chagres. Après avoir cherché la personne juste derrière moi, mon papa, à la marina de Shelter Bay, nous voilà dans le fleuve qui est à peu près 10 000 à l'ouest. Donc à l'ouest de Shelter Bay. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Et nous sommes seuls au monde sur notre rivière. Ouais. Calme plat. Donc c'est la première fois qu'on vient sur la rivière avec Nivé, sur une rivière. On avait prévu d'aller en Casamance, mais avec la crise sanitaire, ouais, ça n'a pas été possible. Et puis vu le problème de livraison de bateau, ben, ça nous a un peu tout décalé. Donc ici, on profite de cette rivière où on peut remonter sur 5 000 à peu près. Ouais, 5 000-6 000 jusqu'au barrage qui est sur le lac Gatun. Lac Gatun qui est au milieu du canal de Panama. Donc qu'on passera dans peu de temps. Quelques jours. Et donc là, on se trouve juste à l'embouchure et on va voir un fort qui est le fort qui était quoi, Lorenzo? Lorenzo, oui. Qui surplombe l'entrée du Rio. Voilà, pour l'instant, on est étonné. En fait, il y avait un petit ponton, on a pu mettre l'annexe. Et puis, il y a une route goudronnée. Ouais. Donc on va voir un petit peu plus loin. Donc on est dans un parc national aussi. Et on essaye d'observer si on voit des paresseux, des singes, puisqu'on a entendu des singes hurleurs tout à l'heure, il y en a beaucoup. Donc on va essayer de les trouver. Un objectif de ne pas repartir du Panama sans avoir vu de paresseux. Voilà, allez, on va essayer. Aidez-nous à trouver des paresseux. observons. Thank you.
couchés à même le sol, sous le paresseux. Là, c'est des singes hurleurs que vous pouvez entendre. Et en fait, ça me fait trop de la peine. Il essaie de passer d'un arbre à un autre. Et il tend et tend son bras le plus possible. Et en fait, il n'arrive pas. Il réessaye d'un bras et de l'autre. Ça me fait trop de la peine. Ça y est, les voyageurs. On a vu un paresseux. Ça y est, on peut partir du Panama. Ouais, c'est bon, ça c'est fait, on a vu. C'est dans la checklist du Panama, donc c'est bon. Ouais. Trop cool. On voulait en voir, c'est bon, on a vu. Voilà, nous avons remonté les 6000 du Rio Chagres. Donc on est pratiquement vers le barrage qui est sur le lac Gatun. Donc on a pu aller à terre, il y a un débarcadère. Et en fait, il y a un petit bras de mer, enfin un bras de rivière qui mène au barrage. Et après, il y a un autre bras de rivière qui fait comme un petit lac. Et là, il y a un débarcadère. Donc, on a débarqué là avec l'annexe. Puis, on a pu aller voir le barrage. Et on a la vue aussi sur le lac Gatun et puis les écluses côté Caraïbes. Donc, c'est sympa à faire et ça nous permet de nous dégourdir les jambes parce que c'est vrai que le reste du Rio, en fait, la jungle est tellement dense, on peut pas débarquer. Donc ça fait du bien pour les enfants et mon papa qui a toujours besoin de beaucoup marcher. Voilà pour la petite info de la journée. Et c'est un super paysage, c'est hyper paisible. Il y a les singes hurleurs, il y a des perroquets, il y a des tonnes d'oiseaux et ça fait du bien de se retrouver ici. Personne autiste affectionnons particulièrement ces endroits, se retrouver dans un lieu calme, proche de la nature, avec peu de stimuli sensoriels, peu de sociabilisation, apporte un ressourcement important. Voilà, nous quittons le Rio Chagres. Une super escale dans ce fleuve. Ouais, très bel endroit, très sauvage. On a pu aller jusqu'au barrage, comme je vous l'avais dit. N'hésitez pas, si vous êtes voileux et vous voulez vous faire un fleuve, c'est super sympa. Il y a 8 mètres au minimum de fond, ouais, c'était minimum, ça ouais. Après, soyez attentifs, il y a quelques billes de bois plantées. Et qui ressortent, mais voilà. Ça se fait bien. Ça se fait super bien, donc on est super heureux de cette escale. Et c'est la dernière escale dans les Caraïbes. Eh oui. Finesse. Oui, on va passer le canal dans quelques jours, le canal de Panama. Et c'est super excitant.
On est trop contents, voilà, l'aventure continue, il va y avoir voilà, plein de choses à découvrir dans les prochaines vidéos, donc on se réjouit de partager ça, et voilà, trop bien.